Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le son E fait avec les lettres E, L, L qui font L, E, T, T, E pour faire et, E, 2, R, E pour faire R, E, 2, S qui font S, E, 2, N pour faire N. Nous allons commencer par trier les images. Aujourd'hui, la maison des sons est un petit peu différente. Elle est divisée en 5 parties. La première partie ici, avec le son L, E, 2, L, E. Nous allons y mettre toutes les images avec le son L. Ici, avec le son S, E, 2, S, E. Avec le son R, E, 2, R, E. Avec le son ET, E, 2, T, E. Et enfin, la dernière case, E, 2, N, E. N'oublie pas que tu peux mettre en pause quand tu le veux pour réfléchir. Allons-y ensemble. Regardons d'abord tous les mots, toutes les images qui sont proposées. On va les dire une fois ensemble. Répète après moi. Une éolienne. Une casquette. Un verre. Une girouette, une poussette, une trompette, une bicyclette, une princesse, une raquette, une sauterelle, la maîtresse, une épuisette, la terre, une crevette, des allumettes, une chouette, une mouette, une hirondelle, une serrure. Maintenant, nous allons commencer par trier toutes les images. Premier mot, une éolienne. Une éolienne, c'est une construction qui sert à transformer l'énergie du vent en électricité. Une éolienne, on entend le son N, on le voit à la fin. Allez, on le pose ici. Je mettrai dans le Padlet le fichier Active Inspire si tu veux le refaire tout seul. Une casquette, on entend ET. Un verre, R. Une trompette, et. Une poussette, et. Une girouette. Une girouette, ça sert à indiquer le sens du vent. On les trouve en haut des églises. Une girouette. Une bicyclette. On va manquer un petit peu de place. Je vais le mettre en-dessous. Une princesse. S. Une raquette. Et. Je le mets ici. Une épuisette. Et. Où est-ce qu'il va bien vouloir se mettre ici? La maîtresse. S. Une sauterelle. L. On l'entend à la fin. La terre. R. Une crevette. Et. Alors, comme on n'a plus de place, je vais les laisser ici et je mettrai une nouvelle colonne tout à l'heure. Des allumettes. Et. Je le mets avec la crevette. Une chouette. Et. Une mouette. Et. Une hirondelle. Elle. Une serrure. R. Ah, tu vois, cette fois, la serrure, elle est un peu différente. Le son R est au début du mot.
Une salopette. Ah tiens, elle se cachait là. Une salopette, on l'entend. Alors, tu as bien vu quelle écriture il y a le plus, hein. C'est bien le son et qu'on le retrouve le plus souvent dans la langue française. Exactement. Voilà, j'ai donc rajouté le et pour les autres mots. On continue. Avec ton ardoise, tu vas pouvoir t'entraîner à écrire les lettres que l'on vient d'étudier. L, E, 2 L, E. Normalement, pour écrire ça, tu n'as pas besoin de lever ton crayon. Pas la peine de casser le fil, tu peux écrire les quatre lettres directement. S, E, 2 S, E. Tu vas être obligé de casser le fil ici et là, deux fois. R, pas la peine de casser le fil. E de T. Alors, il va falloir que tu casses le fil seulement à la fin pour faire les barres au T. Tu peux faire les deux T, souviens-toi, sans lever ton crayon et tu feras les barres à la fin. E de Zen, pareil, tu n'as pas besoin de lever ton crayon. Sur cette nouvelle page, j'ai écrit plusieurs mots. Tu peux mettre en pause pour les lire tout seul. Très bien, nous allons les lire maintenant ensemble. Terre, petit, cachette, lunette, chemin, peluche, nouvelle. Nous allons maintenant entourer ensemble les mots où les sons, on entend le son est. Alors, est-ce que dans terre, on entend le son est? Oui, bien sûr, terre. On remarque les deux R. Je l'entoure, je l'encadre. On continue. Petit. Nous n'entendons pas le son est, aucune lettre doublée. Cachette. On entend « est » de « est » à la fin. Facile à repérer, nous avons la double lettre « t ». Lunette. « Est ». On entend bien le son « est ». Je l'encadre. Chemin. Pas de double lettre. Je n'entends pas le son « est ». Je laisse. Peluche. Pas de double lettre. J'entends le son E et pas le son E. Nouvelle. Une lettre doublée, deux fois le L. J'entends E à la fin. Nouvelle. Je l'encadre. Nous voyons ici que nous sommes en présence d'un nouveau mot. Repère le mot échelle avec les doubles lettres E de L, E de T, E de R, E de S. E de Zen. Quand tu auras une double lettre, tu sauras que la lettre E fait le son E. Regarde bien la maison des sons car après nous allons jouer aux devinettes. Tu peux mettre en pause pour bien regarder tous les mots. Attention, tu es prêt. C'est parti. Devinette. Je suis un oiseau qui fait son nid sur le bord des murs ou dans les granges. Le mot fait partie de la maison des sons. Mais on peut aussi, si tu veux, réfléchir ou revenir en arrière, regarder la maison des sons. C'est l'hirondelle, bien sûr. On continue. On m'utilise pour renvoyer la balle au tennis. C'est facile. On continue. La raquette, bravo. Je suis un pantalon avec des bretelles. Ah, c'est le mot qui était caché au début. C'est une salopette. On continue. C'est un objet qui indique la direction du vent. C'est une girouette. Très bien. C'est le nom de notre planète. La Terre.
Attention, on regarde encore une fois la maison des sons. Cette fois, nouvel exercice, on va jouer au jeu des associations. Je te dis un mot et ça doit te faire penser à un mot de la maison. Par exemple, si je te dis une cotte, tu vas me dire la salopette. Allez, on continue, c'est parti. Le jeu des associations. Si je te dis un escabeau, ah, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Une échelle, et oui, c'était celui qui est tout en haut de la maison du son. On continue. Un goéland, tu l'associerais à quel mot ? Une mouette, oui, c'est un oiseau que l'on trouve au bord de la mer. Un briquet, on l'associe aux allumettes. Un chapeau, il s'associe à la casquette. Tu vas maintenant pouvoir prendre ton fichier rouge à la page 102. Tu peux écrire au crayon de papier ou mieux encore au stylo bille. Le premier exercice. Il va falloir compléter chaque mot avec les lettres qui conviennent. Les lettres qui conviennent. L, et, R, S ou N. Pour t'aider, je viens d'ajouter l'écriture en attaché. Attention, c'est parti. Une épuisette. Trouve les lettres pour compléter le mot. La terre. Une poubelle. Une éolienne. Un verre. Une mouette. La maîtresse. Une hirondelle. Complète. Mets la vidéo en pause et complète. Deuxième exercice. Dessine un rond pour chaque son. Puis coche le son « est ». Fais une petite croix. Tu peux faire pause à chaque fin de mot. Vert. V. Est. R. Chouette. Ch. Ou. Est. T. Sonnette. S. O. N. Est. Serrure. S-E-R-U-R. Troisième exercice. Surligne la lettre E dans les mots quand tu entends E. Surligne, c'est-à-dire tu colores. Un verre. Du melon. Des endives. Une échelle. Un gâteau, une erreur, le feu, une adresse. Petit indice, tu te souviens, quand les lettres sont doublées, on entend plus souvent le son « est ». Quatrième exercice, relis ce qui va ensemble. Des allumettes, une éolienne, un briquet, le puits. Les éléments du haut vont être reliés avec un élément du bas. Qui vas-tu relier avec le vent? Que vas-tu relier avec le feu? Que vas-tu relier à l'eau? Très bien, tu as terminé la première partie. Bravo, tu peux aller jouer maintenant.